Donc je disais qu'elle est particulièrement dégueulasse. On va commencer par laver les pièces. Celle-ci. Deux encoches.
particulièrement dégueulasse parce que ça a coulé les piles. Parce que les piles ont coulé et je sais pas si je vais les revoir. Bien. Allez, un meilleur état que l'autre que j'avais. Il est pareil, 50. Pas laisser les piles dedans, sauf si c'est des alcalines et salines, c'est cool. Ça avait déjà été démonté parce qu'il n'y avait aucune vis à part la vis du centre ou la vis en torx. Je pense que c'est torx. Voilà, si vous voyez bien, c'est complètement pourri.
pousser tellement c'est collé. Donc on continue.
sur les boutons. Bon, ils sont pas spécialement sales. Ensuite, suivant.
Alors. Celui-là et celui-là. Et si je mets des griffes, j'en ai. Donc par contre, ce qu'on va faire, c'est on va idéalement, il faudrait que je change ça. Sauf que j'en ai pas. Ce que je vais faire, c'est déjà repasser un coup. Repasser un coup de. Le code misanthropique. Sur toute la carte. En deux. Toutes les saloperies. Donc, on remet. Puis, on va commencer à remonter. Alors, ça c'est mort. On va commencer par la hache, je voulais. C'est bon.
Alors les manettes de Microsoft, ça va, la console Xbox 360, les montées sont bien. Sont pas débiles. Ensuite, le caoutchouc.
essayer de trouver des vis. Ce qui n'est pas évident du tout. Pour l'instant, j'ai pas de vis. Ça va être problématique. La manette, elle est avec meilleure augure quand même. Je vois ce qu'on a constaté. Sont mieux. Mais je n'ai pas de vis.
pièce.
compartiment tout neuf. Voilà. Donc, vous retrouverez cette vidéo sur la chaîne YouTube. Bonne soirée.